Vous venez de sélectionner une unité appartenant à une autre nation. Vous ne pouvez lui donner aucun ordre. Sélectionnez une de vos unités pour en apprendre plus sur ses capacités. Yes, my lord. Make ready! March! At the ready. Waiting for your orders. Any further orders? Anything more? Your Majesty. Onward! Cliquez n'importe où sur la carte radar pour ouvrir la carte directement sur cette région. Les boutons plus et moins en bas à gauche vous permettent de zoomer sur n'importe quelle région. Les boutons avec les flèches permettent de placer la carte sur les autres lieux de campagne. Ready. Any further orders? Mark! By the left! March! Make ready! Mark! Troops! Forward!
sir. Victory will be ours. Une ligne d'unité n'est pas toujours la meilleure formation. Le nœud, le triangle ou l'escalier créeront un point dans la ligne où deux de vos unités pourront engager le combat avec une des leurs. Avant que la plupart des artilleries ne puissent tirer, vous aurez besoin de donner l'ordre de les détacher des chevaux. Cliquez sur le bouton « Détacher » en bas à droite de l'écran. Des unités légères commencent en mode escarmouche. Cela veut dire qu'elles essaieront d'éviter le combat rapproché avec l'ennemi en se retirant à une distance de feu suffisante. Essayez de garder quelques troupes de ligne ou de mêlée juste derrière elles, afin que vos escarmoucheurs puissent se replier en sécurité s'ils sont menacés. Les unités portant des drapeaux blancs ont tout arrêté, sont en déroute et ne suivront plus vos ordres. Si le général est à proximité, il pourra peut-être rallier ses troupes avec son habileté particulière. Dans ce cas, vous en prendrez de nouveau le contrôle.
Un pavillon d'unités clignotant signifie que le moral des troupes les chancelle. D'ici peu, elles vont se retirer du combat et partir à la déroute. Envoyez votre général soutenir ses hommes ou consolider les rangs avec des renforts. Anything more? Onward! Yes, sir. We can't do that, sir. Can't do that, General.
Weapons ready. Men, forward. Troops in position. Disaster. Ready for orders. La foi en votre capacité à assurer la victoire est perdue pendant le conflit actuel. Chaque fois qu'un territoire est perdu, ou même une bataille, le peuple devient plus las de la guerre. Ceci est indiqué par une augmentation du mécontentement. Ready and waiting for orders. Ready and awaiting orders. Make ready. Mark. Harvesting supplies. Your humble servant. I cannot do that. Forward! March! Make ready! March! You can't do that, sir. Lord? Destroy them!
Men, forward. Your Majesty. Forward for crown and country. Forward for crown and country. Men, forward. Immediately. Immediately. Make ready. Orders, Your Majesty? Make ready. Troops! At the ready. Forward! By the left! March! Gathering supplies. Sir. Immediately. Bien que l'âge de la flibusterie à grande échelle soit fini à cause des marines de guerre plus importantes et mieux organisées, les expéditions contre l'ennemi étaient encore tolérées en temps de guerre. Faites un clic droit sur une route commerciale pour tirer de plus grands profits des razzias sur les flottes de commerce. Yes, my lord. Forward! Un blocus est un cordon de navire utilisé pour empêcher l'ennemi de commercer avec un port ou de déplacer toute flotte basée dans ce dernier. Vous pouvez bloquer un port avec un clic droit dessus, comme vous feriez sur une autre flotte. S'il y a une flotte ennemie à l'intérieur, un cordon graphique apparaîtra pour indiquer qu'un blocus va se mettre en place. Autrement, votre flotte entrera directement dans le port et l'occupera. Any orders? Orders received and understood. Still ship shape. Way anchor! All the way! Awaiting further orders. Fleet ready! Reef sails! This is a ship, sir. I cannot do that. Ship's orders. Set sail! Jump to it and look lively!